Salut les Zaza, donc aujourd'hui, première vidéo que je filme, on part pour la Marathionnaise édition 2019. Donc au programme, il y a trois parcours, un 5 km dédié que pour les filles, un 12 km, et donc moi je pars pour le 24. On va voir si Vincent, mon pote, me suit. Voilà, allez, à tout de suite. Souci avec mon stabilisateur, j'ai pas reçu l'adaptateur pour ma GoPro session, donc cette course elle se fera sans stabilisateur, donc ça va secouer un petit peu, mais c'est pas grave, ça va le faire. Allez, c'est parti, départ la Marathionnaise édition 2019. Vous êtes sur les canons. Et vous allez la garder de bonne sœur. Apparemment, cette année, c'est complet, donc apparemment, il va y avoir pas mal de bouchons. On verra comment c'est cette année. Allez! Le conseil départemental de la Vendée. Et j'ai oublié d'activer ma montre, évidemment. On est toujours au départ. Il est donc 9h30, 9h30 et des brouettes. Et à ma foi, il fait déjà chaud. Là-bas, ils avaient annoncé un petit peu de trap, mais je pense qu'on va... On va avoir bien chaud en ce dimanche matin. 1 km. Premier bouchon. On est à quoi? 2. On est à 2 km. On n'a jamais été aussi proche de l'arrivée. Elle est juste là-bas. À quoi? 100 mètres. Mais non, en fait, il reste 22 km. On sait plus, ça commence à se desserrer un petit peu. On commence à pouvoir respirer un peu ce coup. En vrai, c'est eux les héros du jour. Première toute petite côte. Toute petite. On arrive au 5e km. Le parcours est sympa, c'est un mélange de... C'est vraiment en course nature. Dans les bois, il y a un tout petit peu de route. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Merci, merci. Exactement. Voilà, il y a Henri. Henri est là. Donc les chevaux chez moi s'appellent tous Henri. Hein. Voilà. Deuxième bouchon. C'est sympa, on va arriver au premier ravito. Pour l'instant, franchement, il est plutôt cool le parcours. En plus, magnifique. Il fait beau, c'est le temps. Franchement, le temps idéal pour courir, il fait genre 12-13 degrés. C'est nickel. Allez, allez, courage! C'était le premier, si vous avez rien vu, c'est normal. Il était à peu près à une vitesse de 30 km/h. C'est parce que lui il descendait et nous on monte, c'est pour ça. 300 mètres à Vito. Bonjour. Premier à Vito. Si, j'en ai. Ah super. Allez, deux petites pattes, puis go. Let's go. Allez, go.
On est qu'au cinquième. Au tout début, mais ça fait quand même du bien. Et les héros sont derrière. Les héros sont juste derrière. J'ai toujours c'est eux les premiers de la course. Ils font un effort de ouf, je trouve. Franchement, respect. Petite grimpote. Super approché. Même pas un kilomètre. Hop là. Ah merci, c'est sympa, merci. Bravo. Bon, il y a une poubelle, mais... Elle était un peu beaucoup plus loin, du coup bah on voit pas de poubelle, bah, malheureusement on jette par terre. Ce serait cool de signaler qu'il y a une poubelle un peu plus loin. A mon avis c'était pas un ravito officiel, c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop d'indications. Donc c'est quand même super sympa. On est à 7 km 5. Les oiseaux chantent, le soleil brille, c'est magnifique. Sur le balisage, qui est vraiment bien, c'est bien marqué, c'est bien. On sait où aller. Franchement, je pense que. En tout cas, pour l'instant, on risque pas de se tromper. Donc voilà. Bon, allez, une petite côte. On se tape une bonne petite côte. Pas spécialement raide, un peu quand même, mais la vache elle est longue, hein. Ça se voit pas, et c'est ça qui est bon. Moi je me suis arrêté pour enlever un pansement qui me gênait sous le pied, sous la voûte plantaire. Je sais pas si j'ai bien fait de l'enlever parce que, bon, en fait il était bien mis. J'ai mis la moitié du tube NOC sous mon pied, on verra ce que ça donne. Alors Vincent du coup il est loin. Tout au bout. Allez, rattraper Vincent et on est à la moitié. Enfin, on a même dépassé un tout petit peu la moitié. 14e kilomètre. Là c'est les passages un peu moins sympas, ça fait au moins un kilomètre qu'on est sur route. Bitume quoi. Donc voilà, on est aussi c'est au 14e. Les hanches un petit peu qui se réveillent pour Vincent. Et puis moi comme d'hab toujours les ampoules au pied. De toute façon je fais 1 km, ça y est j'ai déjà des ampoules. Donc voilà, sur ce on est bien. Dans la flotte. Ça va rafraîchir. Le truc ça fait toujours plaisir de voir ça, c'est ça. Tout droit. Entre les plots, ok. Si on passe pas entre les plots, c'est la fessée. Ah, ça fait plaise. Des bananes, des oranges, coca, flotte, impeccable. Bonjour, merci bien. Allez, à la flotte. Ouais, ça revit, hein. Merci, merci, merci. Attention, ça glisse. Ça marche, merci bien. Ah, putain, tu m'as fait peur. Allez, go. Ah, les pieds un peu mouillés, c'est sûr. On se fait du bien, ça refroidit, ça va faire dégonfler les pieds. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, ça refroidit le pied. Bon, après, ça va être moins sympa quand ça a séché avec le pied mouillé entre la chaussette et la chaussure. Miam miam. Ça fait du bien. Ça perd mon poteau. Il a les hanches qui se réveillent là. Il est un peu dans le mal. On va voir si on continue ensemble, mais ça risque d'être compliqué.
Regarde, c'est super mignon entre moi. On est à l'ombre, au bord de l'eau. Franchement, là, c'est top. Ça a fait du bien. Bientôt au 17e. Alors c'est bon, ça a encore de la flotte, tiens. Ça c'est bon, ça. Vincent, il va être content, regardez. Il y en a qui sont soucieux de pas avoir été trempés. Mais là, ça va être compliqué. Ah ouais. Ça rafraîchit. Bon, pose pissette pour le poteau. Comme il a les hanches un peu qui lui font mal, je pense que je sais pas s'il va réussir à me rattraper. Mais moi, faut pas que je descende en dessous de sa vitesse, parce que la vitesse où on est, parce que sinon c'est la limite entre. C'est entre tu trottines et tu marches, les limites ça casse plus les pattes qu'autre chose. Donc on verra s'il me rattrape. Passage, ma caméra met trop à plomb à s'allumer, donc du coup vous verrez pas. Vous savez quoi, venez l'année prochaine pour voir, c'est mieux. Flèche, ligne, flèche. Voilà. Franchement, pour se tromper. Bon, faut y aller quand même. Donc, balisage, vraiment top. On arrive au kilomètre 19, donc je suis parti devant. Hein. J'ai laissé Vincent y aller plus mollo, avec ses hanches. Donc voilà. Moi, je file, il reste en gros à peu près un peu plus de 5 km. On va finir ça tranquillement, gentiment, avec un petit rythme. On va sur du 10 km/h à peu près. On va terminer là-dessus. En plus, je le redis encore. Hein. Non, cette année le temps il est juste mais parfait quoi, vraiment parfait, chez parfait. Le prochain qui arrive avec un t-shirt jaune, pas un gilet jaune, un t-shirt jaune, faut l'encourager à mort, hein. Il est dans le mal. Et ouais, exactement. Ils sont sympas les bénévoles ici. Allez, à peu près 20 km là, donc il reste 4 bons kilomètres et puis voilà. On a de la chance qu'il a fait à peu près beau hier et qu'il pleut pas aujourd'hui, qu'il a pas plu cette nuit. Parce qu'il y a des passages. Il y a des passages, bon évidemment c'est des courses nature. S'il avait plu, bah évidemment, ça aurait été mode partie. Donc ça va, c'est cool. Merci le beau temps. Hein. Bon tout à l'heure j'étais un petit peu en avance. Là on est au 20e. J'ai pas réussi à prendre, il y avait un pépé avec son accordéon en bas. C'était trop mignon, il jouait de l'accordéon pour nous encourager. C'est génial, j'adore. Je kiffe. Ça, c'est Vendéen. C'est le dernier, Ravito ? Oui, il reste 4 Merci. km. Merci. Ok, super. Merci. Allez, on encourage tous la dernière, elle nous entend. Allez, allez. La dernière ? Ah oui, d'accord. Merci à vous, bon courage. J'ai eu peur. La dernière. Bon, je m'en fous, hein, en fait, du classement, mais bon. On va trouver ça bizarre quand même. Voilà, direct après la ravito. Petite montée sympa, histoire de bien digérer. Portion qui est vraiment très sympa dans la forêt là. Le sol est plutôt mou, c'est très sympa. Ok, d'accord, plutôt sympathique. Allez, 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 t'es beau comme un camion quand tu souris.
Hop là. Parfait. Merci à vous. Pareil. Merci beaucoup. Bon, pour vous dire à quel point je suis amateur, un petit trailer amateur, c'est que ça fait 21 km et quelques. Et c'est la première fois que je fais plus de 21 km. Donc, wouhou! Allez, courage! Ah, merci, de même! Bon, c'est sûr, si tu. Toi qui regardes cette vidéo, t'as l'habitude de faire des 80, des ultras. Tu dois rigoler. Mais bon, m'en fous. Moi, je suis content, c'est la première fois que je fais plus de 21 bornes. Et dans deux semaines, j'ai un trail à Ancenis entre Loire et Coteau de 34 km. Celui-là, je l'appréhende un petit peu. Mais bon, ma foi, ça se passe plutôt bien, donc c'est cool. C'est réconfortant pour la suite. Et voilà. Bravo. Bon courage. C'est cool. Sur le parcours, il y a des gens un petit peu partout qui nous encouragent. Il y a même des mini-monsieur. Salut les enfants, ça va? Ouais. Bon, je suis dans les derniers, donc c'est pour ça qu'ils ont plus trop de jus. Bonjour. Merci Vendéen, merci. 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 Bon, ma foi, ça sent la fin. Ça sent la fin. Vous sentez pas? Je le sens, ça sent la fin. Allez, 2 km encore. Et puis on y est. Bonjour. 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 Allez, courage. Merci. Droit? Vous pensez que c'est tout droit? Ouais, ok, merci. Je préfère demander que de perdre 2 minutes, ça arrive. Bon allez, on arrive quasiment au bout. J'en profite pour faire mon petit ressenti par rapport à cette course. Donc en fait c'est, au début je dis trail, mais c'est une course nature, c'est pas vraiment un trail. Mais le parcours est très sympa, des petites relances, des bonnes petites côtes parfois quand même, qui fait bien bobo sa maman, mais c'est ça qu'on aime. Et voilà. Les ravitaux, bah, il y en a 4 je crois. Banane, orange, pâte de fruits, eau, coca. Voilà, moi perso il m'en faut pas plus, c'est nickel. Le balisage comme j'ai dit c'est super bien indiqué. À part à là où je viens de demander, mais sinon c'est super bien indiqué. Il y a des gens partout, il y a une petite ambiance un petit peu partout bien sympa. Et puis voilà, franchement, je vous le conseille pour l'année prochaine, c'est cool. Bon, le monsieur m'a garanti que c'était la dernière côte. Ouais. Eh ben, la dernière côte, c'est pas Coach Capis Run, c'est Coach Capix que ça marche. Petit point de vue, bon on voit pas grand chose, j'avoue. Ah, plus de quelques mètres. Normalement. Bonjour monsieur, on est bien d'accord, il reste quelques mètres. Oh, 150, c'est parfait, merci. 150 mètres les Zaza. Je te rappelle, hein, quand je dis les Zaza, c'est, on dit comme ça, les Zaza, les athlètes, si tu es un athlète. Sinon les Zaza, les amis, moi je préfère le diminutif, donc je dis les Zaza, voilà. Allez, quelques mètres et c'est bon. C'est la fin. Merci. On profite pour on vous a fait une blague dans cette organisation. Une petite blague, c'est volontaire, et croyez-moi bien. Je sais pas si vous avez suivi le protocole. La blague, j'espère qu'ils n'ont pas rajouté 10 km de plus après l'arrivée. Hein. Alors, sincèrement. Ah.
Vous avez gagné le plaisir de revenir en tant que bénévole à la 17e édition. Et ça, encore merci à tous les bénévoles. Et encore merci pour votre participation. Amis, voilà. Bénévoles sur... un petit 24 km de fait. Faut que j'arrête ma main. On allait dire comme voilà. D'habitude. On va aller au ravito. Et là, puis après, on va aller attendre mon agneau, voir dans quel état il finit. J'espère qu'il va finir. C'est le bar où il y a l'écran. À manger. Donc voilà, on a récupéré tout le monde. La marathonnaise 2019, c'est fini. Rendez-vous donc l'année prochaine. Hein. Il y aura normalement une édition l'année prochaine. C'est même sûr. Je ne sais plus les dates. Ils ont donné les dates. Si vous voulez la faire, vous allez sur le site lamarathonnaise.com.fr. Je ne sais plus. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée les Zaza. Bisous. Allez, bye.